Elena Kluyou, âgée de 20 ans, n'a plus donné de signe de vie depuis la nuit de ce samedi 28 au dimanche 29 janvier, selon la police nationale du Finistère. La jeune femme a disparu à Brest et un appel à témoins a rapidement été lancé. Après avoir passé une soirée en boîte de nuit sur les quais, elle n'a plus donné de nouvelles, ont affirmé les autorités sur Facebook. Les recherches se poursuivent et ce sont de nouvelles informations qui ont été dévoilées par BFM TV, ce mercredi 1er février. Le dernier endroit visité par la jeune femme a été identifié, peut-on d'abord lire. Il s'agit du quartier de la Recouvrance, à l'intersection de la rue de la Porte et de la rue Saint-Exupéry, à Brest, est-il indiqué. Sur des images de vidéosurveillance, situées à une vingtaine de minutes à pied de la boîte de nuit, l'étudiante a été aperçue à 6h42, le 29 janvier au matin. Les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'elle avait quitté les lieux vers 5h30. Voulait-elle rentrer à son domicile? Ces images de vidéosurveillance apportent des réponses aux enquêteurs. Sur celle-ci, Elena Kluyou marche seule le long de la ligne de tramway. Elle est vêtue d'un long manteau noir. Les recherches se poursuivent dans ce périmètre, mais pas seulement, on brasse large, a expliqué une source policière à BFM Télévision. Trois groupes de la police judiciaire de Brest-Quimper et tous les policiers brestois sont mobilisés, à la recherche d'éléments pouvant nous permettre de la localiser, a-t-elle précisé ensuite, ajoutant que les images de vidéosurveillance de la ville, des magasins, du tram, sont analysées. Concernant les affaires de Elena Kluyou, l'adolescente avait son téléphone portable sur elle mais celui-ci n'a pas apporté de réponse. On ne peut pas s'aider du bornage, car il est éteint, peut-on lire. À ce stade, aucune piste n'a été écartée par les enquêteurs. Elena Kluyou a-t-elle été enlevée, tuée? A-t-elle été victime d'un accident? La jeune fille est-elle toujours vivante? Elena Kluyou, une disparition qui inquiète de plus en plus les proches de Elena Kluyou sont très inquiets et ce sont eux qui ont donné l'alerte très rapidement. Voyant que la jeune fille ne revenait pas, ils se sont immédiatement rendus au commissariat de Brest afin de signaler sa disparition. Dans l'appel à témoins, il est précisé que la jeune femme portait un haut kaki, une jupe en simili cuir noir et des bottines noires. Concernant son physique, Elena Kluyou a des cheveux châtains et des yeux marron vert. Elle mesure 1m65. Peut-on ensuite lire. Toute personne disposant d'informations peut contacter le service de police judiciaire de Brest au 02 56 31 20 10 ou le commissariat de Brest au 02 21 09 53 60. À ce jour, l'enquête se poursuit.